retour sur le tapis rouge. Et oui, on vous a laissé profiter du tuning made in Bastia. Comment tu trouves? Est-ce que tu as passé commande pour ta voiture? Non, j'ai pas passé commande pour ma voiture. J'ai pas eu le temps. En tout cas, on remercie vraiment tous ceux qui viennent de passer, qui bien sûr nous ont donné énormément de bonbons. Alors, on aura énormément des bonbons, de bonbons, des bracelets. Exactement. On a eu plein de cadeaux. Alors, Lisa, est-ce qu'on peut dire aux téléspectateurs quel groupe est-ce qu'on aura ce soir sur la parade? D'ailleurs, on voit déjà les premiers groupes arriver. Ça commence à arriver, pardon, j'ai laissé tomber mon. Alors, les premiers groupes vont arriver, il y aura vraiment plusieurs. On est là au moins jusqu'à 23h, minuit. On vous rappelle que c'est la parade nocturne. Le thème de ce soir, c'est éclat lumineux. Donc, autant vous dire qu'en plus sur ETV en HD, vous aurez les costumes qui vont briller de mille feux. Donc, n'hésitez pas à appeler vos familles, amis, alliés. Dites-leur que ça se passe sur la chaîne 23 et même en live sur ETV.gp. Les premiers groupes arrivent déjà. En compagnie de Styli. Et de Captain ETV, ne dévoile pas Captain ma vraie ETV, Les premiers groupes arrivent déjà. On peut voir déjà que. On va à Magma, c'est Magma qui va faire sa première apparition. Exactement. Est-ce que c'est bien Magma? On regarde. Ce sont eux? Est-ce que ce sont eux? Et non, c'est sexy en peau. Eh oui, sec comme sexy, comme si et en peau comme en peau. Ils arrivent. Une coiffe magnifique habillée tout de blanc. On peut les voir déjà. On vous rappelle aussi que les fouettards n'ont pas le droit de fouetter. Voilà, sur le tapis rouge. C'est pour ça que vous. Ça, c'est le respect du carnaval. Cassica avec sa bannière. Sexy en peau, pas Cassica, sexy pardon, en peau. Pardon. C'est normal, ça arrive. On vous laisse profiter. Sexy en peau. Que ce sont des groupes à peau. On salue aussi bien sûr la commune de Capesterre-Belleau. On aura toute la Guadeloupe ce soir. Encore une fois, on vous laisse profiter de la musique. C'est un groupe de Capesterre? C'était donc sexy en peau. Mesdames, messieurs, vous allez bien? Alors, je savais déjà ce que j'attends de vous. Vous savez déjà ce que j'attends de vous. Des applaudissements, des encouragements, que vous chantiez, que vous dansez, enfin, que nous soyons ensemble. Vous allez bientôt trouver une place, vous trois, là. Attends. À vous.
gouvernement moi aussi. Alors on applaudit justement la parade, dans cette parade orange Caraïque qui fait un travail exceptionnel sur ce carnaval avec la mise en place de petites poubelles pour que la ville reste propre, pour que c'est-à-dire un mouvement comment dirais-je déjà, écologique pour la planète. Voilà. Alors on applaudit donc Orange et pour ce geste. On applaudit aussi Canal. Ah oui, Canal 10, il y a Canal 10 avec nous. On a appelé aussi 50 minutes Inside, c'est ça? Voici clé. Ramasse. Là, donne-moi une serviette parce que je vais transpirer. Je fais tout pour la Guadeloupe. Je m'assieds comme une échelle. Je n'utilise pas beaucoup de clim. Je roule à pied, c'est-à-dire que je reste ma voiture garée. Alors, j'ai mon cadeau. Oui. Donc nous parlons de sauver la planète, nous parlons d'écologie. Alors justement, nous parlons de. Justement, merci beaucoup. Et justement, nous parlons de qu'est-ce qu'il faut. Un gros merci à Orange. Alors que chacun bravo, fasse un geste pour la Guadeloupe. Le thème de la soirée du Guadeloupe, parce que c'est elle qui nous donne à manger, à boire et de. Alors, on ne déverse pas nos déchets dans la nature. Préservons la Guadeloupe, elle est belle. Merci. Merci et bon carnaval. Eh oui, c'est ça. Il faut préserver la Guadeloupe. Moins de plastique. Qu'est-ce que tu utilises toujours, les plastiques? Il faut arrêter tout ce qui est plastique. On vous laisse profiter. Regardez-moi un petit peu ça. On salue aussi Babou. Babou qui était là. Et bien. Attends. Viens avec nous. Viens avec nous. Il a quitté le carnaval de la Martinique pour venir ici même à Basse-Terre. Attends, ça représente pour moi, Martinique, de quitter mon carnaval. Tu es là depuis quand? Et comment trouves-tu le carnaval? Ça, juste là, je vous ai entendu. Un public à qui nous voit vraiment complètement différent, ne serait-ce que les barrières. C'est un univers complètement différent, mais je trouve que ça fait très propre, ça fait très organisé. Comme je disais sur Instagram, ça fait penser à Rio de Janeiro. Voilà. Muy bien, on prend le Brésil. Et vraiment, je trouve que c'est beau, et il y a des costumes. Non, c'est beau. Est-ce que tu seras là demain? Demain, je ne serai pas là, malheureusement. J'aurai quelque chose, je sens ça. Alors, quand est-ce qu'on pourra te voir sur scène? Très bientôt, là, on est dans l'écriture de spectacle avec mes autres camarades humoristes guadeloupéens comme martiniquais. Et puis, au cours de l'année 2020, boudoum. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter justement pour 2020? D'être épanoui, de l'épanouissement. Voilà, peu importe ce que vous. Et du recyclage aussi, non? Et du recyclage. Ben oui, il faut être épanoui dans le recyclage. Il faut penser à demain. C'est très simple de prendre soin de ces déchets et de les jeter à terre, mais en vrai, il faut penser à demain. Il faut penser à nos enfants qui sont là, à notre place et. Les générations futures, ouais. Exactement. Leur laisser une Guadeloupe propre. Exactement. Merci. Merci, on te laisse continuer. Merci à vous. Et force à toi. Ok. Hey, t'as vu, c'est la muscu. Ah, c'est les protéines, hey, hein. Alors, appelle-toi Chumaka et dis ça. Dans quelques heures, il n'y paraîtra plus rien. C'est ça. C'est des pompes tous les matins et tous les soirs. C'est aux gens, mais parce que. Oui, arrête de me faire honte. Arrête. Rentre-toi avec Orange. Eh oui, le temps. Si vous ne l'avez pas reconnu, c'est GSL, le célèbre comique Martinique qui, je vous dis encore une fois, a quitté son carnaval de la Martinique pour venir ici à la parade de Bastia. Tout le monde est là ce soir. Tout le monde va voir. Et là encore, d'autres voitures en mode vraiment à l'ancienne, je dirais. Oui, des voitures anciennes, oui. Vous allez profiter, vous allez vraiment apprécier. N'est-ce pas, Lisa? N'est-ce pas? Alors encore une fois, c'est haut en couleur, hein, ça commence chaud, hein, c'est haut en couleur. Eh oui, c'est orange en même temps. On salue Babou qui a donc maquillé Orange. Babou qu'on a reçu sur le plateau. Et donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder ETV Service. En tout cas, on salue le travail de Orange. Et encore une fois, pensez à recycler, pensez à la planète. Là, on va entrer encore en mode voiture. Les voitures arrivent. Les voitures en mode à l'ancienne. Là, vous allez vraiment apprécier. Tous ceux qui sont fans de moto, d'auto, de mobile, vous allez kiffer. N'est-ce pas, Lisa? Je vois que tu vas admirer les voitures. Non, là, je commence à apprécier déjà parce que c'est vrai que ces voitures-là sont. C'est pas des voitures qui datent de 10, 20 ans. C'est plus que ça. Exactement. Et c'est collector. C'est collector. Voilà, je cherchais le mot. Collector. Demande-moi. Pour ça, on vous rappelle encore une fois qu'on est là au moins jusqu'à 23h minuit, que nous sommes en live et en HD sur ETV, chaîne 23 du satellite, et bien sûr en live sur etv.gp. On salue aussi TV97 et Wiki, qui vous vont suivre le carnaval depuis début janvier, tous les dimanches. Et malheureusement, demain, c'est déjà terminé. Après, c'est mercredi et après, il y a le carnaval. Après, c'est fini. Après, c'est mercredi décembre et tout ça se termine. Il faut bien un début pour une fin. Exactement. Alors, quel groupe
verra-t-on ce soir? Lisa, est-ce que tu peux? Normalement, on devrait voir le groupe Magma. Oui. On devrait voir aussi, d'après mes souvenirs, le groupe Klaxon. Voilà. Et la suite, tu vas nous l'annoncer. On vous rappelle aussi que demain, nous serons. Voilà, on va vous laisser profiter des voitures. Les voitures, elles sont sur le tapis rouge. Ah, elles passent, oui. On s'en profitez, juste après. Profitez, ça vaut vraiment le coup. Voilà. Regardez la coccinelle. Voilà. Regardez l'ancienne coccinelle. C'est bon. Ah, c'est voilà, donc, voilà ces personnes qui seront chargées de noter. Donc, il y en attendant. Je vois qu'avec le vacarme que vous faites, vous ne pouvez plus nous applaudir. Applaudissez-les quand même, parce que c'est une performance que vous remaniez. Remettre au bout de toutes ces voitures. De voitures électriques, d'abord de l'automobile. Donc on applaudit toutes ces personnes qui font ça maestria. Des voitures collector, comme nous l'a dit Lisa et Hop qui s'amuse, qui passe derrière moi à gauche, à droite. Est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu te oui, vois j'ai beaucoup aimé. Retomber dans ça et continuer des voitures comme ça. Moi, la dernière. Tu parles de l'époque? Voilà, de l'époque. Attends, je sais que c'est ton époque. Pas l'époque, mais la bagnole, oui. La bagnole, oui. Alors, on vous rappelle que ce soir, vous aurez en concours le groupe Magma. Vous aurez aussi le groupe Volcan. Caleçon sera là aussi. Sans oublier Phoenix, Arioka, Carmelo, Waka, Ambiance Mass, Pouillotte Dorée et Piquant. Et tout ça, c'est pendant le concours. Ils vont tous passer sur le tapis, chorégraphié comme d'habitude. Le jury attend, le jury va noter. Je pense que ça sera très dur pour eux. Quant à la journée de demain, elle sera bien remplie également, puisque nous aurons 54 groupes qui passeront ici. Et ne zappez pas, hein, restez avec nous. Exactement, 54 groupes, on sera ici même, encore une fois, au Champ d'Arbaud, à partir de 13h. Zouk News, Vaval Boisson aux fruits, BSA. TV97.net, RCI, Café Cholette, ETV, l'imprimerie. Bah oui. De ces journées ce soir, pour rappeler la parade de demain. Parce que demain, 55 groupes sont invités, 55 groupes sur le bateau du Café Rouge, 55 groupes et la parade commence très tôt. Il y aura un concours, il va falloir choisir le magistrat. Ça va bien. Claudie, je te vois bien. Et tu es heureux, il faut te dire. Voilà, donc ce soir, je vais t'entendre applaudir. D'accord? Ah, tu aimes applaudir, donc tu aimes. D'accord, c'est très bien. On applaudit. Peut-être content, tout le temps, et ça évite tout plein de choses, n'est-ce pas? Donc ce soir, je vais vous voir heureux. Comment? Qui a parlé fort ou pas, j'entends. Et j'ai oublié de dire Crédit Mutuel, mais Code Forever, et ABS Incendie, et Brissac. Voilà, toutes ces personnes, je reviendrai, puisqu'il faut quand même les citer, c'est normal, c'est important. Et j'ai oublié Espace Couture. Voilà. Vous connaissez déjà votre leçon, on applaudit, on chante, on danse, on fait la fête. On oublie qu'on a oublié qui, quoi, personne, il n'y a personne à la maison. On oublie que d'ici, après mercredi, on va retrouver les enveloppes à fenêtre le lundi d'après. Vous connaissez les petites enveloppes à fenêtre, nous avons fait moi. Bonsoir, je vais vous demander votre prénom, Valérie. D'accord, bonsoir Valérie. Je voulais savoir sur quels critères vous jugez. Alors, moi je suis chargée de juger les décors. Donc, étant donné qu'ils partent de la rue Ardennois et qu'ils arrivent près de nous, arrivés à un moment donné, ils sont fatigués. Donc, je juge le volume, les couleurs, la technique. L'originalité oui.
Donc il y a un ensemble. Vu qu'ils arrivent à votre niveau et qu'ils sont fatigués, est-ce que vous jugez l'endurance? pas l'endurance, mais en tout cas, il y a du sport, quoi. Et puis bon, voilà. Mais c'est amusant, c'est une belle expérience. Ça demande beaucoup d'attention, beaucoup de concentration. Ça demande beaucoup d'observation et généralement les groupes n'aiment pas trop qu'on s'approche de leur décor, mais bon, c'est le jeu, donc voilà. Merci beaucoup, je reviens vous voir plus tard. Oh Camaro, excusez-moi. Nous sommes à parler de vous comme Camaro, excusez-moi. Eh bien, en plus votre marron. Vous combien passé, je ne sais plus. Parce qu'on m'a dit beaucoup mal. Et oui, nous sommes de retour sur le tapis rouge après, bien sûr, l'intervention de membres du jury. Et là, vous pouvez voir sur le tapis rouge le groupe Camaro. Encore une fois, on vous rappelle que par respect du tapis rouge, on ne va pas fouetter sur le tapis rouge. Donc ils vont passer et puis après ils vont reprendre. On vous rappelle qu'ils descendent dans les rues de Bastia, qu'ils vont faire un petit demi-tour devant la mairie avant de finir, bien entendu, au cœur de Bastia. Et là, Camaro qui descend vraiment à toute allure. Lors de la 6e édition de Wohimimas. Les voilà, ils arrivent. Ils arrivent, ils sont pleins de lumière. On va les laisser passer. Exact. On va les laisser passer. Il est vous, mes généraux de la vie. Il est vous, mes généraux.
On applaudit Camaron. Et surtout Jean-Laurent, dites-vous est invité à Camaron. Merci Camaron. On vous remercie d'avoir répondu à l'invitation d'applaudir. Et on vous attend plus de toute façon et à très bientôt. De toute façon, mardi, encore mardi gras, puis à mercredi, puis sans plus hier. En plus hier, elle a les non, c'est bon. C'est celle qui est égale, mais en arrière, je la nous devons vous séparer en T, le D des 20, le médium bien, candidat. Et bon, eh bien, allez-y mes enfants. Allez en paix. Je vous ai répondu à deux petites questions. Expliquer un petit peu, qu'est-ce que vous représentez ce soir? Alors ce soir, ça s'appelle la tilleule en peine, et en fait on représente la nature qui est atteinte par le chlore des cônes ici en Guadeloupe. Donc on a, donc en fait on a voulu utiliser des choses naturelles comme les feuilles de coco. Comment? J'ai oublié comment ça s'appelle. Oui voilà, exactement. Ça pour montrer que malgré tout, avec un couleur noire, par le chlore de cône qui nous rend malade en fait. Utiliser en fait les ressources naturelles de la Guadeloupe pour faire des jolies choses. Oui voilà exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup Emma, on te laisse rejoindre ton groupe. Camaron, vous voyez, c'est ça. On pense déjà à notre planète, au recyclage et à l'environnement. Alors comment tu on reste dans le même thème finalement. Exactement, c'est important de recycler parce qu'on est sur une île. Et puis c'est important de penser à notre île encore une fois. Et les groupes sont là pour ça. Alors là, ce n'est que le début. On a déjà vraiment une ambiance de fou. On a pu aussi constater la beauté de la lumière de cette parade nocturne. Ça ressort vraiment très très bien. On salue d'ailleurs le travail de l'Afrique pour bien sûr l'éclairage et tout ça. On reconnaît bien sûr notre ami ambianceur le feu. Et on va vous montrer un petit peu la ferveur qu'il y a. Lui aussi, un habit de lumière. Un habit de lumière bien sûr. Et là on a déjà le prochain groupe qui arrive. Déjà il s'enchaîne. Vitesse grand V. Encore une fois, on vous rappelle qu'on est là presque à minuit. Donc n'hésitez pas à partager le lien sur internet. C'est tv97 ou etv.gp. On est aussi en live sur la chaîne 23 du satellite ETV. En plus on est en HD, nous sommes à Basse-Terre. On rappelle encore une fois que le thème c'est éclat lumineux, comme la Miss 2020 ETV. Et également ce qu'on a vu depuis, depuis tout à l'heure, c'est le thème du recyclage, du respect de la nature. Exact. Ils n'ont pas de... Et oui, comme vous avez pu l'entendre, le prochain groupe qui arrive, c'est une façon, c'est Masla. Comme une autre, et oui, de participer au carnaval. Des gens ils arrivent, ils sont Masla. Masla. Masla nous vient de... Tout petit. Ah. 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 Et oui, c'est à toi de répondre. Ah non, ah non, non, non. En tout cas, ils arrivent, ils ont pris le rond-point. On vous rappelle que tout Basse-Terre est bloqué. Du moins, au niveau des gens d'Arbonne, n'essayez pas de venir en voiture, car ils vous très loin parce que tout est bloqué. Venez à pied, venez nous rejoindre. Il reste encore le seul moyen de locomotion, les pieds. On vous laisse profiter de Masla. A tout de suite. A tout à l'heure. En les applaudissant, s'il vous plaît. J'ai un peu l'air con là.
45 jours. Un an d'existence. Voilà, avec au rythme. Il s'appelle Break the Free. Tu peux reprendre le nom. Break the Free. Vous avez entendu Break the Free et Manu. Manu Break the City. Le terme. Alors, explique tout ça. Break the Free, Guadeloupéenne, Zinzin, Africaine, qui fait la voiture d'aujourd'hui. Et qui fait que les Guadeloupéens, quand même, c'est vous. Vous pensez, vous avez raison. Bravo pour le regroupement, bravo pour la nouveauté que vous amenez dans notre carnaval, une nouvelle couleur, une nouvelle richesse. Bravo, et c'est très bien pour notre pays. C'est très bien, non seulement pour le spectacle, mais aussi pour la culture, et aussi pour le plus grand économiquement. Oui, oui, oui. Vous n'êtes pas au concours, mais vous participez avec moi donc. Mais on ne veut pas qu'un Migo là, il joue en même temps. C'est brillant, c'est brillant. Mais il récupère, il n'y a pas de problème. Ah mais j'espère. C'est le diable des Borillons. Bien entendu, en concours encore une fois.
Viens avec moi, Lisa. Viens avec moi. C'était un concours, mais encore une fois, c'est toujours un plaisir d'écouter cette musique et bien sûr de sentir l'odeur de l'encens. Voilà, on a senti le bain-joint depuis le groupe précédent. Et Masla a aussi amené son bain-joint pour purifier certainement toutes les énergies dans lesquelles nous nous trouvons. Et bien sûr, tout en attendant le prochain groupe, vous savez, même s'il pleut, c'est pas grave. Oh, d'ailleurs, ça s'estompe là, c'est fini. Exactement, ça fait du bien, ça rafraîchit. Pendant ce temps, on va aller voir justement. Oui, on va aller voir du côté du public. Mais qu'est-ce qu'ils en pensent, monsieur? On va aller voir la madame. Oh, la madame, on adore le chapeau. Je vais m'attraper elle parce que, admire-moi ce chapeau. Bonsoir, comment ça va? Vous vous appelez? Vous êtes de basket? Voilà notre coronée. Alors, quel groupe attendez-vous ce soir? Quel groupe attendez-vous ce soir? Le roi du carnaval. Les principaux groupes, Pour vous, qui représente le carnaval? C'est de l'amusement, c'est un défoulement pour vous. Tout à fait. Alors, on vous rappelle que nous sommes en live sur Internet grâce à TV 900. Est-ce que vous avez un petit coucou à faire, peut-être à vos enfants qui sont en France ou même à Londres ou au Canada ou même à des amis? À mes frères, mes sœurs. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Vous loupez quelque chose de grand? Bon courage dans le froid et puis on envoie un rayon de soleil du carnaval. En tout cas, merci et surtout bon carnaval. On va le continuer, bien sûr. Elle fait non, mais moi je dis oui, comment ça va? En fait, c'est lui qui nous ramène. C'est ton premier carnaval? Non, pas du tout. Tu es de Bastère? Non, pas du tout, tu es où? De Pointe-à-Pitre. Ah, quel est le carnaval le meilleur? Pointe-à-Pitre ou Bastère? Je n'ai pas de préférence. C'est très bien parce que les deux sont bons. Est-ce que tu attends un groupe particulier? Oui, Carmelo. Joli, ben on va te laisser tranquillement attendre Carmelo. Qu'est-ce que tu peux dire justement aux gens qui nous regardent de France, Londres? C'est pas lui, le carnaval, je vous vois. De bien profiter des images. Pour toi, comment est-ce que tu décris justement le carnaval? C'est un défoulement, c'est un exutoire. Merci et bon carnaval. On va aller juste à côté. Voilà, parce qu'en fait, je viens tricher, je viens prendre un petit peu de parapluie comme il pleut. Ah, ben oui! Mais oui, est-ce que justement la pluie va nous arrêter pour le carnaval? Jamais. Jamais. On est habitué ici à Bastia. On est habitué, on fait avec. Quand il y a du soleil, on en accepte. Exactement. Est-ce que vous attendez un groupe en particulier? Non, nous on fait partie de la Fédé. On est là pour que tout se passe bien et on veut que tous les groupes s'amusent et gardent un bon souvenir de Bastia et reviennent. Justement, est-ce que c'est compliqué d'organiser tout ça, le timing, l'organisation des groupes, courir après chaque groupe? Est-ce que ça s'est bien passé cette année? Ça s'est bien passé, mais c'est toujours énormément de travail, surtout pour ceux qui sont à la tête de la Fédé. Mais il y a également, heureusement, beaucoup de petites mains, mais beaucoup de boulot. Justement, demain, c'est le grand jour. Qu'est-ce que demain nous réserve, la grande parade des winners? Il y a beaucoup de groupes, on est à 65 groupes, je crois, aux environs. Beaucoup de groupes, beaucoup de décors, l'aspect de Bastère. En tout cas, merci, on viendra sûrement vous revoir tout à l'heure.